Salut tout le monde, c'est Hartman, et on se retrouve ce soir pour la suite des aventures de mon sorcier dévastateur dans la cité perdue d'Omu. Allez hop! Donc, je vais chercher les quêtes. Que voulez-vous à une vie traduction perdue, récupérer les tablettes d'Omu. Ok, c'est pour Soche. Et lui, qu'est-ce que tu veux? Nous devons purifier cet endroit. Utiliser la bannière sacrée pour éliminer les morts vivants. Ok, ça marche. J'ai vu les morts vivants sortir de terre. Apparaissant sur les sites impies et donc là j'ai pas mal de trucs à faire. Par les prêtres des dieux du mal. Bon. Ce que je vais faire, je vais déjà purger le premier site des morts vivants. Ensuite, je descendrai dans l'hypogée. Si vous parvenez à brandir une bannière sacrée. Et je verrai bien après ce que je ferai. Donc là il y a une tablette d'Omu. Je commence à savoir où elles sont. Hop! C'était un petit peu trop rapide. Les monstres ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il est bizarre ce mec. Il tourne en rond. Voilà. Là c'est bon, je suis pas tombé la seconde fois. Donc là, j'utilise la bannière. Toc. Maintenant, les zombies vont se pointer. Par contre, faut pas s'éloigner trop du centre. Autrement, faut. L'event se stoppe et faut recommencer. Donc là, je peux pas aller trop en son dos. Donc faut que je tue 50 morts vivants. Alors, pas tous ici, heureusement. On voit quand même que le sorcier il est moins efficace sur les groupes de monstres par rapport au magicien qui dépote pour les dégâts de zone. Donc voilà, premier site terminé. Donc comme je disais, maintenant je descends dans l'hypogée. Voilà. Coucou les monstres. Ah, il y a une statuette à leurs pieds. Je vais la récupérer. Enfin, une tablette d'eau. Coucou les monstres. Non, donc je ressors. Par contre, je vais passer par là pour regarder s'il y a une proie de chasse dans le couloir. Non, c'est des monstres normaux. Mais ça m'a pas m'empêché de les tuer pour autant. Là, il y a une tablette. Voilà, ça fait 4 sur 6. Déjà les deux tiers, ça va vite. Voyons voir mon inventaire. Ça va, j'ai de la place. Ouais, je vais aller dans l'hypogée là-bas. Là-bas. Ici. Et après, j'irai sanctuaire. Purger le site impie juste à côté. Quel est votre ordre ?
Je fais beaucoup de zigzags. Elle est pas terrible la caméra comme ça. La vue FPS. Donc là, j'ai récupéré encore une tablette d'Omu. Ce qui m'en fait 5 sur 6. Donc la quête sera bientôt terminée. Tablette. Salut Christopher. La fille est belle pour Chutel Belle. Ne me mangez pas. Là, faut que j'aille lui parler à ma porte Nyanzaru. Donc je ferai ça beaucoup plus tard. Là, j'ai voulu monter sur ma monture. Je suis tellement pressé. Là, j'ai regardé à gauche et à droite pour voir s'il y avait des monstres ou non. Là par ici normalement il y a des araignées mais il y a quelqu'un qui les a tuées. Alors est-ce que c'est lui? Pareil là il n'y a pas d'araignée. Vas-y, il y a des araignées. Et là-bas aussi il y en a. J'aurais bien voulu tuer une grosse araignée mais il n'y en a pas pour l'instant. Hop. Voilà, j'ai accompli la quête. Maintenant. Ouais. Ouais, je vais sortir en passant par là parce que franchement ça se vaut. Puis ça me montrera quand même. Petite balade. De pas passer tout le temps par les mêmes endroits. Il est quand même bien balèze mon sorcier. Même s'il est pas aussi bien équipé que mon magicien. Coucou les monstres. J'étais bloqué. Oh, des araignées. C'est un peu le bazar. Du coup, je vais être obligé de tous les tuer. Voilà. Je quitte l'hypogée. Du coup, où est-ce que je suis maintenant? C'est pas ça que je voulais faire. Juste pour les raccourcis. Bon. D'accord. Donc maintenant, je vais purger le site impie. Je regarde vite fait s'il n'y a pas d'autre chose qui m'intéresse. Non, non et non. Le site impie est là. Je tue les ennemis. Non, j'ai entendu le petit jingle là qui indiquait que quelqu'un était en train de tuer une proie de chasse. Mais... Du coup, j'ai regardé si on voyait le nounours, Polaris, mais non, c'était pas lui. Je sais, c'est bizarre ce que je dis si vous connaissez pas le jeu.
Là, c'est le deuxième site impie. C'est bon ou c'est pas bon? Oh. Ah non, il y a des monstres. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il se bat avec les nounours. Bon. Moi, ce que je vais faire, je vais descendre dans l'hypogée pour offrir un talisman à Moa. D'accord. Il m'a fait entrer par ici alors que c'est... Bon, pas grave. Ça fera faire la balade. Ah, il y a quelqu'un qui a tué les morts vivants. Que je m'empresse d'accepter. Donc il faut que je rapporte ça à Eku ou Makos. Donc je vais donner ça à Makos. Parce que la boutique de Makos m'intéresse plus que celle d'Eku. Voilà, c'est tout simple. Non, c'est à droite là. Oh, un feu follet. Cool. Ça c'est une croix de chasse. Et j'ai rien eu dessus. Ah, il y en a un autre là-bas, à droite, au fond. Comme je disais tout à l'heure, dans l'autre vidéo, les feux follets ils apparaissent là où il y a des morts vivants. Et toujours rien. Alors est-ce qu'il y en a en face? J'ai pas l'impression. Parce que des fois, à cet endroit-là, il y a un bug. Le feu follet il apparaît au milieu des monstres. Normalement c'est l'un ou l'autre, mais là dans cet endroit là c'est les deux. Enfin c'est les deux de temps en temps. C'est pour ça que je regarde quand je passe. Ça c'est bon, inventaire qui se remplit. Je vais juste faire un petit peu de la place. Voilà. Pas plus pour l'instant. Je vais essayer d'éviter de vous gonfler avec mes problèmes d'inventaire. Et encore, ça s'est bien amélioré hein, parce qu'à l'époque, je devais être vraiment casse-pied avec ça. Je me rappelle encore du... Pendant longtemps même, j'ai laissé les temps de chargement, quoi. Et des fois, c'était long. Maintenant, non, y a un peu plus de travail qu'avant, maintenant. Maintenant, je coupe, je fais des petites transitions et tout. C'est pas incroyable, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Bon, allez, je m'arrête 2 secondes pour faire une petite prière. Toc. Pour
faire un petit peu de sublimation. Ah, je vois qu'il y a un event. Fin de rencontre héroïque. Mais bon, comme il n'y a personne qui s'en occupe pour l'instant, je vais pas y aller, sinon je vais vite mourir. Donc là, je fais un petit crochet pour éviter les morts vivants de gauche. Là. Hop. Ça, c'est le troisième petit tapis. Tout à l'heure, il fallait tuer 50 morts vivants. Maintenant, c'est bon. Bon, lui, il m'énerve à se défendre. Donc, je peux pas faire le tour parce que ça va me faire sortir de la zone. Et du coup, il va falloir que je recommence à purger le site. Il y a beaucoup de monde là. C'est là qu'on voit que le sorcier a peine plus de mal pour les cibles multiples. Voilà. Donc là c'est bon. Plus qu'à ramener toutes les quêtes. Et je regarde juste si je vois un ours qui m'intéresse. Non, toujours pas. J'ai vu des nounours zombies. Il y a peut-être quelqu'un qui les farm. Les singes, eux, je m'en fous parce que il y a pas de proie de chasse en rapport avec les singes. Aïe, tombé. Je vais me forger. Faut juste que je fasse gaffe de pas tirer sur les singes juste après. C'est bon, il n'y a pas eu de dégâts collatéraux. Donc là, je vais parler vite fait à Makos pour lui rendre la quête. Toc. Que voulez-vous? Fascinant. Vous avez d'autres questions? J'ai... Je vous montre vite fait la boutique de campagne. Voilà. Après, je vous montre pas les objets. Il n'y a rien de vraiment très intéressant. Du moins à mon avis. Voilà. Et là, je vais rendre les quêtes. Nous devons purifier les dieux fourbes après. Comment Eku peut-elle vous guider? Que voulez-vous, Aïn? Vous avez trouvé que puis-je faire pour vous? Vous souhaitez des clochettes? Récupérer les tablettes d'eau. C'est un peu ce que j'ai fait. La quête. Nous devons purifier ces terres. Vous avez fait du bon travail. C'est bon. Alors, dieu mineur. Les dieux fourbes sont rassemblés taillissement fourbe. Donc ça, c'est... j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. La légende. Pareil, rétablissement royal, je l'ai fait tout à l'heure. Autre chose. Dans l'autre vidéo. Donc ça sert à rien que je vous en montre plus maintenant. Donc ce que je vais faire. Juste avant de stopper la vidéo, je vais regarder ma récompense. Et des perles noires. Waouh, c'est super. Donc je vais m'arrêter là pour ce soir, puisque toutes les quêtes que je pouvais faire, vous les avez déjà vues. Hein, je vais pas vous montrer 50 fois la même quête, faut pas exagérer. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt tout le monde. Salut !